Bonjour, bonsoir, bienvenue. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons peindre sur une carte Pokémon. Comme le titre de la vidéo l'indique. Merci du coup à Vernex qui m'a donné cette carte Pokémon. Elle est où cette connerie d'ailleurs? La voilà. Je t'ai pas demandé de tomber toi. Reste ici, zèbre. La voilà, la carte Pokémon. J'ai vu bon nombre de personnes sur TikTok, Instagram dessiner sur des cartes Pokémon et j'étais là en mode waouh. Et du coup j'avais envie de tester. En plus de ça, la carte qu'il m'a donné, c'est un Mewtwo brillant. Mewtwo. J'en sais rien du tout. Comment ça s'écrit d'ailleurs Mewtwo? Petit défi là. Vous essayez de deviner l'orthographe de Mewtwo en commentaire, sans regarder sur internet, les autres commentaires, tout ça. Non, ne trichez pas, s'il vous plaît. Voilà, c'est parti! Just give me a sign if you wanna go. Bien chers amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Oui, c'est déjà terminé, la peinture n'était pas non plus très travaillée, très recherchée, etc. J'ai juste au final fait une galaxie. En plus de ça, bien en cachant le Mewtwo au scotch et les bords. Waouh, il y a une tache. Ah non, elle est sur le plastique, la tache. Ouf, j'ai peur. Bref, en cachant bien avec le scotch, du coup, au final, il n'y avait pas beaucoup d'interaction entre le personnage qui existait sur la carte et ma peinture. Même si j'ai quand même beaucoup kiffé faire ça, et je suis plutôt content du résultat, hein. Bon, on va pas se le cacher, moi j'aime bien. Et dites-moi en commentaire quel est votre Pokémon préféré ou quel Pokémon vous voudriez que je customise sous forme de carte Pokémon. J'essaierai de chiner un petit peu dans des brocantes pour essayer de retrouver des cartes Pokémon à customiser.
petite anecdote, oh là là, Bruno se confie. Quand j'étais petit, j'étais super fan de Pokémon, j'en avais plus d'une centaine. Et je les ai toutes revendues, ou données, je ne sais plus exactement. Et je regrette à fond. Et d'ailleurs, du coup, si vous en avez et que vous voulez m'en donner pour que je les customise, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram. Mais ce zèbre, il me casse vraiment les couilles. Pas bouger, espèce de zèbre. Et également, vu que la peinture de cette carte Pokémon est quand même assez simple, je vous encourage aussi à faire de même avec vos cartes Pokémon. Puis vous pouvez m'envoyer ça sur les réseaux sociaux si vous voulez me montrer le résultat. C'est juste très minutieux, ça prend un petit peu de temps, mais c'est très plaisant. Alors faites bien attention de ne pas le faire sur une carte Pokémon qui vaut plusieurs milliers d'euros. Et les cartes Pokémon, des fois, elles ont des valeurs mais complètement inestimables. Bref, c'était Bruno Graffeur pour vous servir et vous divertir. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à exploser le petit pouce bleu, je sais plus où il est. Et à vous abonner parce qu'il y a beaucoup de gens qui regardent mes vidéos sans y être abonnés. Pas bien les enfants. Et n'oubliez pas de souscrire à une très très bonne soirée et de passer un agréable abonnement à la chaîne. Allez, bisous! Ouais, je fais ça parce que j'ai pas d'écran de fin, du coup. Tant que vous choisissez une vidéo, ou vous abonnez, ou vous cliquez quelque part, bah je reste comme ça. Je pense que c'est bon là, c'est suffisant, non ?